pense que tu as quelque chose à dire aussi, non? Tu voulais. Voilà, donc tu peux y aller, il n'y a pas de souci. D'accord. Bah, bonjour à tous, moi c'est Marie-Hélène. Marie-Hélène, oui. Donc du coup, bon, franchement, je ne sais pas par où commencer. Voilà, moi je suis issue d'une famille où mes parents, voilà, c'était. Ils se frappaient dessus concrètement. D'accord. Ils se frappaient dessus. Alors j'ai d'autres frères et sœurs, je ne suis pas seule. Mm-hmm. Il y avait. On est trois filles et un garçon. Mm-hmm. Donc du coup, par rapport à ça, mes parents se sont séparés. J'en ai beaucoup voulu à mon père. Mm-hmm. J'ai beaucoup développé de l'amertume en fait dans mon cœur. Mm-hmm. Par rapport à tout ça, je comprenais pas en fait comment on pouvait s'aimer autant de temps et se détruire en fait. Mm-hmm. Donc le micro, tu veux qu'elle soit plus proche du micro, pardon. Parfait, ouais. Donc du coup, je comprenais pas comment on pouvait s'aimer autant de temps et se détruire. Et donc du coup, ma mère est partie, elle a beaucoup souffert avec mon père. Moi, nous, on est du coup restés avec mon père puisque ma mère n'avait pas d'appartement. Mm-hmm. Donc du coup, bon, on est restés et en fait, c'était comme si... mon père déversait toute sa colère sur moi, en fait, puisqu'il me disait, souvent que je lui ressemblais beaucoup. Et j'avais l'impression que c'était comme si j'étais devenue la petite maman. Déjà, je devais m'occuper de mes petites sœurs. Mm-hmm. Mon frère était à l'internat, je devais m'occuper de mes petites sœurs. Ma mère m'avait aussi confié ce rôle. Elle m'avait dit que, voilà, elle n'est plus là. Mm-hmm. On ne se verra plus aussi souvent. Mm-hmm. Donc, c'était à moi de jouer ce rôle. Donc, voilà, j'ai assumé. Et du coup, à travers ça, je sentais qu'il y avait beaucoup de colère, beaucoup de haine de la part de mon père. Mm-hmm. Donc j'ai grandi avec ça, j'ai grandi avec ça. Mais ça allait au point jusqu'où mon père pensait que... En fait, il était tellement en fait, dans cette colère, dans cette haine, dans cette amertume, dans ce... tellement dans tout ça qu'en fait il pensait même que j'essayais de le tuer en fait. D'accord. Parce qu'un jour il a trouvé un médicament sur sa table de chevet, sur la table du salon, et en se réveillant il regarde et il dit oui c'est quoi ça. Alors moi j'étais dans ma chambre, il m'est arrivé dans ma chambre, oui c'est quoi ça, bah, je sais pas du tout, moi j'étais dans ma chambre, je vois pas du tout à quoi il sert ce médicament, et puis je devais avoir 15 ans, 16 ans. Et du coup, il s'est déplacé jusqu'à la pharmacie pour... On va te donner ce micro-là, parce que je crois que ton micro a un souci, voilà. Vous m'entendez ? Là, c'est bon, je crois que le son, je ne sais pas, l'équipe technique... Allô ? Oui, voilà, c'est bon. Allô ? Oui, c'est bon. C'est bon. Donc du coup, il s'est déplacé jusqu'à la pharmacie pour demander à la pharmacienne à quoi servait ce médicament. Ah oui, carrément. Ouais. Et c'est quelque chose qui m'avait... Ça, je pense que c'est le truc qui a signé... la fin du peu d'amour qui me restait pour lui, en fait. Donc voilà, j'ai grandi dans l'amertume. Je ne pouvais pas supporter d'être dans une même pièce avec lui. C'était pas possible. Directement, je me rebellais et mon cœur, en fait... voilà, j'avais même envie de carrément qu'il meure, quoi. Ça m'a fait... Quand j'ai vu le témoignage de la petite fille qui voulait partir au djihad, mmh. Quand sa mère a témoigné, j'ai commencé à pleurer comme un bébé, mmh. Parce que je voyais ma mère parler et la petite, j'avais l'impression que c'était moi. Wow. Et franchement, voilà, ça m'avait beaucoup touchée. Et donc voilà, c'était pareil qu'elle. Je voulais mon père, je voulais mort, je voulais plus qu'il ait de lien avec moi. Et donc du coup, j'ai grandi comme ça. Je me détestais moi-même. Je suis tombée dans la pornographie, dans la masturbation, dans tout ce que vous voulez, fornication. Mmh. Je cherchais en fait de l'amour partout où je pouvais en trouver. Mmh. Et ben voilà, c'était pas du tout le bon moyen, c'était pas du tout la solution. Et j'ai commencé à me détester, je m'aimais pas du tout. J'aimais pas mon corps, je suis tombée dans l'anorexie mentale. J'étais vraiment toute fine, mais... Je voyais même mes os dans le miroir. Je me disais encore, je suis trop grosse. Non, c'est pas possible. Il faut que je perde encore. Et j'étais avec une copine qui me disait, mais
Mais non, là, c'est bon. Parce que j'étais avec elle aussi, elle voulait perdre du poids. Elle dit, c'est bon, on a assez perdu et tout. Et on se prenait des photos. Et je regardais les photos. Et je me disais, mais tu rigoles ou quoi? Regarde comment je suis. J'ai trop de cuisses, j'ai trop de ventre, j'ai trop de tout. Faut que j'enlève tout ça. Mais en fait, j'ai compris après ça que, en fait, j'essayais de me débarrasser de ce qu'il y avait de mon père en moi, en fait. Mmh. Je voulais tout enlever, voilà. Quand on me disait, tu ressembles à ta mère, j'étais heureuse comme pas possible. Quand on me disait, t'as le visage de ton père, ou, là, c'était, non. Et en fait, j'ai développé ça. Anorexie pendant, anorexie mentale. Donc, du coup, je pouvais rester une journée comme ça en mangeant des petits trucs. Mais j'avais faim, mais il y avait quelque chose qui était plus fort. Mmh. Dans mon esprit, il y a quelque chose qui était plus fort. Dans mon corps, il y avait quelque chose qui était plus fort. Donc, du coup, je suis restée longtemps comme ça. Mais du coup, la faim venait à chaque fois, je mangeais. Et après, je culpabilisais. Et je me suis dit, mais il faut que je trouve une solution, parce que si je mange pas, je vais mourir. Mais si je mange trop, je vais grossir et je vais être moche. Donc, je me suis dit, trouvons une solution. Et ben, ça a été la boulimie, ma solution. Mmh. Et pendant très, jusqu'à l'année dernière, j'ai été boulimique. Et ça a passé par des phases où je mangeais énormément. Je pouvais aller faire les courses, et parce que je savais que ça, je vais le manger maintenant. Je pouvais me manger, plein de trucs, des gâteaux, des bonbons, des n'importe quoi. Tant que j'étais remplie et tant que c'était, sur l'instant, mon corps était satisfait, j'étais contente. Et ensuite, directement, j'allais aux toilettes et je revomissais tout, en fait. Wow. Et en fait, je me disais, c'est bon, j'ai goûté, c'était bon, j'ai apprécié, et maintenant, au revoir. Parce que je voulais pas que ça reste sur moi, en fait. J'étais obsédée par mon corps, j'étais vraiment obsédée. Je me pesais, ça pouvait aller 4 fois par jour. Et c'était vraiment devenu maladif, parce que si je voyais que j'avais pris 100 grammes, c'était pas possible. C'était la mort, et le lendemain, je mangeais pas. Ou je me faisais vomir beaucoup plus de fois que d'habitude. Donc voilà. Mais à travers ça, je cherchais toujours cet amour avec les gens. Et je sentais que la nourriture me remplissait un peu. Mais c'était éphémère, en fait. Mm-hmm. Parce qu'à partir du moment où j'allais dans les toilettes et que je fermais la porte à clé, la nourriture, elle disparaissait. Mm-hmm. Et c'était fini. Donc du coup, j'ai grandi comme ça. Avec mon père, ça allait de mal en pire. Donc il y a une chose qui s'est passée et qui a fait vraiment, ça a été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. J'en pouvais plus. Donc j'avais un copain. J'avais un copain qui a déménagé, enfin qui lui a pris son appartement. Mmh. On s'est connus dans le monde. Et du coup, j'ai décidé d'aller habiter avec lui. Pendant tout ce temps, j'étais dans une assemblée, en fait. Mmh. Mais le Seigneur, c'était OK, c'était en théorie, mais c'était pas en pratique. D'accord. Donc voilà, je suis partie habiter avec lui. Et voilà, tout ce qui suit, ça continue, fornication, etc., boulimie, pornographie, tous les trucs du monde, quoi. Mais je trouvais pas cette chose qui pouvait me remplir, en fait. Mm-hmm. Même lui. Il y avait toujours un vide dans tout. Voilà, il y a toujours un vide. La nourriture, ça comblait un peu, c'était fini. J'étais avec mon copain. Dès qu'il partait, je me sentais seule, mais comme si on m'avait. Toute ma famille était morte. Mm-hmm. Il y avait quelque chose qui ne remplissait pas. Donc, du coup, un jour, j'étais toujours dans mon assemblée. Je trouvais que la parole était trop redondante. Je tournais en rond. C'est pas du tout de l'orgueil. C'est vraiment que, avec le peu de savoir que j'ai, je trouvais vraiment que pendant 3 ans que j'étais dans cette assemblée, j'ai l'impression que tous les ans, on reprenait le même truc. Mmh. Tous les ans, on reprenait le même truc. Et au bout de la 13e année, je me suis dit, mais c'est pas possible, ça commence à devenir... Je commence à en parler avec les autres. Ah non, ils me répondent que non, eux, ils voient pas le problème. Donc je me dis, bon, Marie-Hélène, tu testes, et peut-être toi, tu fais... Je me disais, parce que je connais mon caractère, je me dis, bon, toi aussi, t'aimes trop ouvrir ta bouche, peut-être que, c'est parce que tu lis pas assez la parole, il y a plein de trucs dedans, il est épais, comme tu dis. Comme tu dis, Célia. Il y a plein de trucs à chercher dedans, t'as qu'à ouvrir, tu trouveras bien un truc sur quoi te fixer, et voilà. Mais non,
ça venait pas. Donc du coup, je pensais beaucoup à ça. Il y a eu la en octobre, mm-hmm. vous êtes venu à Maurepas, mm-hmm. avec quelques sortes de l'assemblée, on a décidé d'y aller. Et ce jour-là, je sais pas, il y a eu quelque chose. La parole, en fait, elle a parlé à mon cœur directement. Wow. Et c'était des choses que j'avais jamais entendues, mm-hmm. alors que ça faisait 3 ans que j'y étais. Quand vous avez parlé des textes minoritaires et majoritaires, je me suis dit, je suis rentrée dans quelle conférence là? On s'est pas trompé, je suis pas dans un truc universitaire ou... Je sais pas, parce que ça veut dire quoi ça? C'est... Je me suis dit, bon, d'accord, je vais rester, je vais écouter. Mais quand on est rentré dans la profondeur de la parole, c'était ça que je cherchais. Je me suis dit, waouh, Seigneur, c'est ça que je cherche, c'est ça que je veux tous les jours quand... Parce que j'allais que les dimanches, il y avait le vendredi où c'était l'étude biblique, mais le vendredi aussi c'était pareil, je trouvais que ça tournait trop en rond. C'était en surface. C'est ça. C'était voilà ce qui est écrit, ça, on lit ça, et après voilà quoi. Je sais pas, je trouvais que c'était trop en surface, franchement, voilà. Et donc du coup, cette parole, ça m'avait touchée, et je me disais dans mon cœur, Seigneur, ouais, Seigneur, c'est ça que je veux. Tous les dimanches quand je viens, la bonne chrétienne religieuse du dimanche. Tous les dimanches quand je viens, c'est ça que je veux entendre, c'est ça que je veux écouter. Et vous parliez et tout, et à chaque fois j'entendais que vous disiez le nom de certaines personnes. Le Seigneur me dit ça pour toi, le Seigneur me dit ça pour toi. Seigneur, s'il te plaît, dis mon prénom, dis que tu dois quitter l'assemblée. En fait, je voulais qu'ils me disent la confirmation tout de suite, parce que j'avais entendu la parole tout de suite, et je voulais que ça s'accomplisse tout de suite. Donc, Seigneur, dis-lui de dire mon prénom, s'il te plaît, dis-lui de dire mon prénom. Et donc, du coup, vous ne disiez pas mon prénom. Donc, je me suis dit, bon, bah, d'accord, tant pis, bah, c'est pas pour aujourd'hui, hein, ça sera pour une prochaine fois. Ouais. J'étais encore un peu déçue parce que je me suis dit, waouh, Seigneur, tu, c'est ça que je veux. Et là, je suis prête à recevoir, mais tu me parles pas. Mm-hmm. Je me suis dit, bon, tant pis. Je me suis dit, bon, je vais quand même, à la fin, ouais. je me suis dit, bon, je vais aller voir le frère, ouais, pour voir s'il peut prier pour moi. Peut-être qu'il va me dire quelque chose. Peut-être que le Seigneur va parler, là. Et je m'avance timidement, bonjour. Et bonjour, ça va? Oui, ça va. Est-ce que vous pouvez prier pour moi, s'il vous plaît? Oui, pas de souci. Je commence à prier, et là, bam, je tombe. Et j'ai pas compris ce qui s'est passé. Il y avait pas de bout de verre derrière rien. Moi. Il y avait pas de bout de fer, il y avait rien. Et pourtant, je me suis ouvert la main. C'était très profond. Hein. De là à là, en fait. Ah ouais, Ludo. Et ça fait une dizaine de points de suture. Ah ouais, ouais. Et je voyais carrément ma main qui était détruite, quoi. Je me suis dit, mais c'est pas possible. Qu'est-ce qu'il m'a fait? Il y avait du sang et. Ah, il y avait du sang partout Il y avait les démons qui sont sortis là, c'était des gros démons. Hein. Et je me suis dit, mince, c'est quoi ça? Et bref, mon copain qui était là m'a accompagné directement à l'hôpital. Il avait peur en voiture. Il avait peur de faire trop, de passer et de donner trop vite parce que je disais aïe 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 aïe. Mais je disais mais fais vite. Et il était en panique sur la route et tout. On est arrivé, donc j'ai eu l'opération le lendemain. Et vous m'aviez dit en fait de venir directement après. Donc le lendemain, il y a la responsable de la jeunesse qui m'a accompagnée. Donc on est venu directement. Et voilà, elle est rentrée avant moi parce qu'elle a voulu la prière. Et donc j'ai pas trop compris, mais bon, ils ont prié pour elle, je sais pas trop ce qu'ils lui ont dit. J'ai pas cherché à parler avec elle. Moi, je suis rentrée par la suite et on a prié pour moi et voilà, tout s'est bien passé et voilà, à partir de ce moment-là en fait, j'ai tout laissé. Amen. J'ai tout laissé d'un seul coup, alors que pour moi la boulimie, ça a représenté tellement de temps dans ma vie que je me suis dit, Seigneur, je peux pas, parce que si j'arrête, Je vais regrossir. Pour moi, déjà, prendre 100 grammes, c'était énorme. Donc, je me disais, mais si j'arrête, je vais voir la balance grimper. Et je pourrais pas, je vais me suicider. C'est pas possible. Je peux pas. Mais du jour au lendemain, j'ai tout arrêté. Je continue à aller à l'assemblée. Mais la parole qui était rentrée dans mon cœur, en fait, elle m'avait vraiment gravé. Et tout ce qui s'était passé, ça m'avait vraiment gravé, en fait. Et donc, dans mon assemblée, je cherchais vraiment à rentrer dans la chorale parce que j'aime beaucoup chanter. Mmh. Et je me disais, oui, il faut que je rentre dans la chorale aussi. Moi aussi, je veux être devant, chanter. En fait, j'ai pas compris que c'était pas ça, vraiment chanter pour le Seigneur. Mmh.
Et du coup, quelques temps après, le Seigneur me parle en songe. Et ça, j'oublierai jamais, parce que c'était vraiment un songe extraordinaire. En fait, on était dans une grande salle et c'était vous qui meniez l'assemblée, alors que c'était la première fois que je vous voyais. Mm-hmm. On peut se tutoyer, hein, pas de problème. J'ai du mal au début. Oui, c'est pas grave. Et du coup, vous étiez dans une grande salle et vous parliez des désirs du cœur qui sont contraires aux désirs du Seigneur. D'accord. Et vous parliez, vous prêchiez et tout. Et au bout d'un moment, vous arrêtez, vous dites, bon, vous nous regardez tous dans la salle et vous dites, bon, pour que ce soit plus concret, je vais appeler 4 personnes qui vont venir devant. Et moi, je me dis, mais qu'est-ce qu'il fait? Ça se fait pas, ils vont avoir la honte et tout. Mais bon, je suis là, je suis dans l'assemblée, je suis dans la foule et je regarde, j'attends. Vous appelez les 4 personnes, 3 filles, 1 garçon. Ils se mettent tous devant et eux aussi, ils ne comprennent pas, en fait. Mmh. Et là, vous dites, le Seigneur va faire un miracle. On va rentrer, en fait, dans le cœur de ces personnes. Et tout ce qu'ils désirent profondément, on va tous le voir, mais tous en même temps. D'accord. On était peut-être 500 dans la salle. Mmh. On va tous le voir en même temps. Moi, je me dis, comment ça, on va tous le voir en même temps? Et là, on est tous projetés, en fait, dans le cœur de la personne. Et on voit comme un écran, toute la vie de tout le désir de la personne défile, en fait. Wow. Et c'est le garçon, en fait, qui passe en premier. Et on voit, en fait, c'est un garçon qui aimait une femme et vraiment, vraiment par-dessus tout. Et on voit, en fait, qu'il veut décrocher la lune. Il grimpe des toits, il grimpe des maisons, il grimpe des immeubles. Il arrive sur un toit. Et en fait, il tend les mains tellement loin qu'il arrive à décrocher la lune, mmh. concrètement, en fait. Ensuite, on retourne tous dans la salle en même temps et on est tous choqués, on se regarde et tout. Et là, vous dites, bon, on passe au cœur de la deuxième personne. Et là, même chose, tout le monde va dans le cœur de la deuxième personne. Et en fait, c'était une femme, c'était une fille qui aspirait à chanter. Mais les désirs de son cœur étaient tournés vers le monde et pas vers Dieu. Mmh. En fait, elle voulait se montrer. Et là, la spécificité de ce rêve, c'est que là, j'étais actrice dans le rêve. On était 4. Il y avait la fille et il y avait 2 autres filles et il y avait moi. On était 4. On était dans une rue, comme si on était à Hollywood. On était habillés, excusez-moi du terme, mais comme des prostituées. D'accord. On avait des tissages longs jusqu'aux fesses. On avait des talons de 12 cm. Wow. On avait du rouge à lèvres, du maquillage à outrance, des habits mini-jupes, etc. Et on se sentait bien dans la rue. On tournait un clip. Et en fait, on était en losange. Il y avait une personne devant, 2 personnes sur le côté. Et moi, j'étais derrière. Mm-hmm. On commence à marcher, on commence à chanter. Mais j'entends pas, en fait, la chanson. Je pense que le Seigneur m'avait fermé les oreilles. On commence à marcher, on commence à chanter. Et au bout d'un moment, je ne sais pas pourquoi, je me retourne, je regarde à terre, et je vois qu'on fait des fissures dans le sol, à chaque fois avec les talons, à chaque fois qu'on marche. Wow. Et je me dis, c'est étrange. Et les 3 autres ne voyaient pas ça, en fait. Mm-hmm. Je me dis, c'est étrange, pourquoi on fait des fissures? On dit, pourtant, en plus, on était mince et tout, comme je le voulais. Parfaite. Je me suis dit, on n'est pas lourde, pourquoi on fait des fissures? En fait, je comprenais pas, je réfléchissais avec ma tête, mm-hmm. au lieu de réfléchir avec mon esprit, en fait, mm-hmm. avec mon cœur. On continue à marcher, et on marche, tout le monde dans la rue nous regarde et tout, ils nous font des coucous, ils sourient et tout, ils ont l'air d'être heureux, en fait. On s'approche d'un tunnel, et moi, je lève ma tête et je vois au fond du tunnel, tout est noir. Et on se dirige dans le tunnel. Je me dis, bon, je les suis, pas de souci. Je commence à un peu être méfiante, mais je me dis, tant pis, on les suit. Je les suis, je marche toujours heureuse d'être mince, parfaite, trop belle, selon le monde. Arrivée dans le tunnel, je lève ma tête, et je regarde au fond, il y a des escaliers qui montent, et il y a deux démons qui nous attendent en bas de ces escaliers, en fait. Et je me dis, c'est quoi ça? Et elle voit pourtant dans la même direction que moi, mm-hmm. mais elle ne bouge pas, mm-hmm. ça leur fait rien. Elles sont là, elles continuent leur marche, en fait, tout droit. Et je commence à marcher de plus en plus lentement
Je me dis, c'est pas possible, là, on va où? On va en enfer, là, ils nous conduisent en enfer. Elle voit qu'il y a ces démons à l'entrée de l'escalier, mais elles disent rien. Donc là, je commence à ralentir. Et je vois, en fait, de l'eau qui dévale les escaliers et qui coule jusqu'à mes pieds. Mmh. Et qui touche mes talons, en fait. Et donc là, je regarde par terre et je me dis, non, c'est un signe. Il faut que je sorte de ce tunnel à tout prix et tout de suite. Mmh. Parce que je sentais qu'en fait, on allait vers le mauvais chemin. Et je me retourne et je commence à marcher de l'autre côté de plus en plus vite. Et il y a l'une de celles qui est devant qui se retourne et qui me tend la main et qui me dit « Non, c'est bon, continue, on y est presque. » Et en fait, il y a quelque chose... Et là, mes oreilles s'ouvrent et j'entends le refrain de la musique qui dit « Continue dans le péché, tu mourras dans le péché. » Wow. Et là, je me suis dit, c'est pas possible, il faut que je sorte. Et là, je continue à courir, je cours. Et au dernier moment, en fait, une vague nous submerge et là, je me réveille. Et là, c'est un rêve qui m'a... Je me suis dit, Seigneur, c'est bon, c'est toi. Et donc, du jour au lendemain, une ou deux semaines avant de partir de l'assemblée, parce que j'étais beaucoup attachée à ces filles-là. Les filles avec que tu connaissais aussi physiquement. Oui, que je connaissais physiquement. Wow. La chorale, c'est vrai. Ce qui me choque, c'est que j'avais parlé à la responsable et je lui disais oui. Moi, je trouve que elles chantent bien et tout. Franchement, elles ont une grâce de Dieu. Mais il y a un truc qui me gêne. Elles s'habillent trop serré. Et elle m'a répondu en fait une phrase qui m'a marquée. Elle m'a dit non, moi, je trouve ce qui me dérange, c'est qu'elles mettent des baskets. Je me suis dit, non, on n'est pas du tout dans le même... on n'est pas du tout dans le même truc. C'est pas possible. Je me suis dit, mais pourquoi Dieu, tu m'as ouvert les oreilles, tu m'as ouvert les yeux qu'à moi? Et eux qui sont dans l'assemblée, pour certaines qui sont là depuis plus longtemps que moi, elles voient pas, elles comprennent pas. Et je me suis dit, c'est bon, stop, je m'en vais, je pars. Seigneur, je sais pas où tu m'emmènes, je sais pas qui je vais trouver, je sais pas où je vais aller, mais je m'en vais. Donc, du jour au lendemain, je suis plus allée à l'assemblée. Les sœurs ne comprenaient pas. J'avais du mal à leur expliquer parce que ça me faisait mal. Ça me faisait mal. J'avais expliqué ça à la sœur, mon mensonge. Mais elle comprenait pas. Mm-hmm. Elle me disait que non. C'est impossible que le Seigneur te parle de l'assemblée, que te parle de cette église-là. Et moi, je savais intimement dans mon cœur que c'était ça, en fait. Mm-hmm. J'ai pas voulu insister et je suis partie. Mais du coup, au fur et à mesure, ben voilà, le Seigneur sépare. Et voilà, je me suis dit, voilà, Seigneur, tu m'emmènes ou tu m'emmèneras, tant pis. J'ai parlé beaucoup au frère Herman, mm-hmm. qui du coup m'avait invité à l'assemblée du Bourget. J'y mm-hmm. suis allée, mais j'habite à Trappes. Le Bourget, c'est trop loin. Mm-hmm. J'ai pas de voiture et je peux pas payer des tickets tout le temps. Donc je me suis dit, bon, bah tant pis, je vais rester chez moi. Je vais attendre que le Seigneur me montre quelque chose, quelque part où aller. Et peu de temps après, la semaine même qui a suivi, bah, j'ai eu un des frères que je connais déjà depuis un certain temps, puisqu'ils habitaient à Trappes, me donne le numéro d'une cellule où ils allaient, qui était en train de se développer dans les Yvelines. Mmh. Et j'y suis allée. Et là, rien que la première semaine, j'ai appris des choses que j'avais pas jamais appris en 3 ans. Voilà. Je me suis dit, Seigneur, c'est pas possible. Comment j'ai pu, je tournais en rond. En fait, c'était pas de l'orgueil. C'était vraiment que je tournais en rond. Et j'ai appris des choses en une semaine que je me suis dit, en 3 ans, j'ai des choses que j'ai jamais entendues, que j'ai jamais connues, j'ai jamais appris. Je savais même pas que Osée, il était dans la Bible. Tu vois. Je me suis dit, bon, ok, d'accord, bah, c'est là que je veux être. Seigneur, garde-moi là. Mets-moi là, change mon cœur. Fais tout ce que tu veux de moi, mais je veux continuer à être là. Aide-moi à te suivre, change-moi. Et donc voilà. Maintenant, j'ai fait beaucoup de progrès. Je peux le dire puisque du coup, voilà, je suis partie demander pardon à mon père. Ah, c'est bien. Ouais. Amen. Gloire à Dieu. Mmh. Wow. Je lui ai dit concrètement que voilà, que j'avais de la haine contre lui, que j'avais de la colère contre lui. J'ai pleuré comme un bébé devant lui. Mais voilà, je me suis dit, tant pis, c'est pas grave, le Seigneur m'a demandé de le faire, je le fais, c'est tout. Mm-hmm. Même si j'ai honte. Et comment il a réagi? C'était pas la réaction que j'attendais. Est-ce qu'il était indifférent?
trop de fierté. D'accord. Trop de fierté. Et il me disait, bah oui, je sais, c'est moi qui t'ai fait, je te connais. Il me disait souvent que j'avais le cœur noir. Mm-hmm. Et ça, c'était des paroles qui me blessaient. D'accord. Au plus profond de mon cœur, que j'étais mauvaise, en fait. Il me disait beaucoup ça. Que j'étais mauvaise, que j'avais le cœur noir. Et en fait, pour moi, là, j'ai fait la démarche, en fait, de lui montrer que non. Mm-hmm. Le Seigneur m'a créé. Avec son amour, mmh. il m'a modelé avec son amour. Je peux pas avoir un cœur noir, c'est pas possible. Mmh. Et donc du coup, je suis partie le voir et je lui ai dit, voilà, je lui ai dit toute la vérité, toute la haine que j'avais envers lui. Je lui ai dit que je supportais même pas de le voir dans une même pièce que moi parce que voilà. Et il m'a juste dit, bah tu vois, j'avais raison. Toi, ton problème c'est l'orgueil. Toi, ton problème c'est la rancune et tout. Et j'ai dit, c'est pas grave, gloire à Dieu. Moi, j'ai fait ce que le Seigneur m'a demandé. Je suis en paix. Je me suis déchargée, je me suis délivrée. J'ai plus de haine, j'ai plus de colère envers lui. Je l'aime. Voilà, je l'aime, Amen. Tout simplement. Maintenant, dans ma famille, je suis la seule à me tourner vers le Seigneur. Et voilà, j'ai la conviction que le Seigneur fera, qu'il va tous les toucher un par un et qu'ils vont voir vraiment la gloire du Seigneur et à quel point il m'a transformée et que c'est pas vraiment, que c'est pas du tout de, il m'a dit que j'étais peut-être faible d'esprit, en fait. D'accord. Que c'est pour ça que je venais que lui dire ça et que j'ai pleuré, en fait, devant lui. Parce qu'en fait, lui, il nous a élevés comme des garçons. D'accord. Même les filles. Vous devez être indépendantes. Quand un homme vous dit ça, vous répliquez. Pas question que vous vous laissez marcher. Vous êtes des filles. Yapo, vous êtes là, l'orgueil en fait du père africain tout simplement et voilà, alors que la parole m'apprend pas ça du tout en fait. Ça me fait rire en pensant parce que voilà, sur le coup moi quand il me disait ça, j'avais mal parce que je me sentais faible par rapport à ce qu'il voulait, la manière dont il voulait nous éduquer. Il me disait que j'étais mauvaise, donc moi je prenais, ok, je suis mauvaise. Quand il me disait que j'étais faible d'esprit, ok, je prenais, je suis faible d'esprit. Donc du coup, le Seigneur m'a révélé dans sa parole que je suis pas comme ça, Amen. Que mon cœur est bon et qu'il sait ce qu'il y a vraiment dans mon cœur. Mm-hmm. Et donc voilà, à chaque fois maintenant, je travaille sur moi parce que voilà, j'ai développé ce truc que quand on me parle mal, j'ai eu beaucoup de mal à me taire. Je sais que j'ai une grande bouche. J'ai eu beaucoup de mal à rester comme ça et l'autorité, c'est pas mon fort, mais je sais que le Seigneur me travaille. D'accord. Je sais que le Seigneur me travaille, il me travaillera encore, il va me nettoyer. Donc voilà, gloire à Dieu, j'ai trouvé des frères et sœurs en Christ que j'aime vraiment beaucoup. Amen. Et donc voilà, ça m'aide toujours à continuer. Voilà. Tu sais que le Seigneur t'a tellement changé que à Niort, ce week-end, j'ai eu du mal à te reconnaître. Hein. Je te dis, et c'est tout de suite, je ne t'ai pas reconnu. C'est quelques minutes après que j'ai vu. Voilà, ton visage, le Seigneur m'a dit, voilà, c'est la fille pour qui tu as prié. Et ta cicatrice, là, c'est comment, ta main, ça va mieux, ça va? Ben, en fait, comme je vous ai dit, une dizaine de points de suture. Ah, où j'ai eu très mal pendant 2 mois. Mm-hmm. J'ai beaucoup souffert. Mais je me suis dit, c'est la droite? Ouais, c'est la droite. Ben, comme par hasard, ben, la main droite que j'utilisais pour tout. C'est ça. Et donc, du coup, je me suis dit, c'est l'avertissement du Seigneur. Mais pas parce que, pas parce qu'il m'aime pas. Parce qu'il m'aime justement, et qui m'avertit que stop, t'as assez fait, et voilà, je te préviens que si tu ne suis pas mon chemin, la prochaine fois ce sera pire, ça sera peut-être le pire, ce serait pas le physique, ce serait vraiment qu'il s'écarte de moi et qu'il me laisse toute seule, et parce que je sais que après je retomberai dans tous mes trucs quoi, et voilà, c'était vraiment l'avertissement, je l'ai pris comme ça, et je savais profondément au fond de mon cœur que c'était ça en fait. Donc du coup, moi, je continue toujours avec le Seigneur et voilà. Par contre, là, c'est vrai que je peux plus m'appuyer, vraiment sur ma main. Mais voilà, je me dis, c'est un petit truc comparé à tout ce qu'il m'a donné. Donc voilà, je continue. Amen. Que Dieu soit béni. Amen. En tout cas, c'est terrible hein, quand même, Ludo, hein, comme témoignage là. C'est fallait voir sa délivrance ce jour-là. C'est quelque chose. Hein. Le Seigneur est vraiment fidèle, frères et sœurs. Je ne sais pas si vous voulez nous appeler en attendant pour éventuellement poser des questions et réagir sur ces deux témoignages parce qu'on est encore là ce soir, il n'y a pas de souci. Les frères et sœurs qui sont là vont pouvoir également témoigner et partager, échanger. Voilà, donc vous pouvez nous appeler si vous le souhaitez ce soir hein, pour éventuellement intervenir. Ça, c'est beau de voir l'œuvre du Seigneur.